Deux équipes vont s'affronter. L'une sur les obstacles peints en bleu, à votre gauche. Elle est composée des élèves sous-officiers de deuxième année. Et l'autre sur l'obstacle peint en rouge, composé des élèves sous-officiers de première année. Le décor est planté, les deux équipes vont s'affronter ce matin. Les bleus, la deuxième année, et en rouge, la première année. Oui, les cadets sont prêts à découdre avec leurs aînés. Les autorités sont déjà avancées. On va se calmer. On va se calmer. C'est au pied du maçon qu'on va le vrai mur. Combien ça va dire? Allez, on va demander maintenant. On va commencer. Deux adversaires sont sur place. On va commencer déjà par le démontage et le remontage. Des armes, pistolets automatiques. D'accord, prêt, go, go! Oui, c'est parti pour le démontage et le remontage du pistolet. Exécuté par des stagiaires féminins. Ce sont des stagiaires féminins qui sont en train d'exécuter le démontage et le remontage. Oui. Et c'est parti. Les stagiaires féminins ont porté les deux brassards rouges. Sortis spectaculaires de la bouche en roulant d'avant. Qui va venir taper maintenant dans la pomme de ce banc. C'est parti pour le mur bleu. Est-ce que le retard sera tapé par la première année? Oui, celui-là c'est Spidi Gonzalez qui va entamer maintenant le rampé. Il va sortir. Il y a un écart de 2,83 m rattrapé par l'élément de première année qui va maintenant avec une certaine dextérité attaquer le filet de Tarzan. Un pas, deux pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va défier son gardien? Oui, roulant d'avant, la lune, la méthode du poisson qu'on appelle le saumon. Sortie spectaculaire de la vue qui va maintenant taper dans la pomme. Et deux concurrents qui s'en vont. Mesdames, messieurs, les deux brassards sont portés par des stagiaires féminins. Et c'est parti pour le rappel bleu.
qui va sortir en première position. Est-ce que c'est l'élément de la première année? La deuxième année qui va attaquer maintenant la poudre d'équilibre. Exécutée par Zena la guerrière qui va défier ici Superwoman qui attaque maintenant le filet de Tarzan. Un pas, deux pas. Qui va faire la demi-lune? Exécutée par l'élément en bleu, deuxième année. Avec une trajectoire culminante qui va attaquer la but. Ça c'est la technique de la Pedri. La première équipe qui va faire feu, on a gagné. C'est parti maintenant pour le remontage de l'AK-47. Qui va finir? La première pièce est montée. La deuxième pièce, le ressort récupérateur. Oui. Qui va gagner? C'est le suspense. On encourage les deux équipes. À ma droite la rouge, à ma gauche la bleue. Montrer des vertes de PAMU à leur cadet. À présent, la victoire revient aux élèves de la deuxième année. A bien les. Alors on applaudit. Donc victoire pour les bleus. À ma gauche, on applaudit les bleus. Est-ce que vous êtes là? Nous retenons qu'en 2022, c'est la deuxième année l'équipe en bleu qui a gagné. Merci de les encourager. Le capitaine de cette équipe va recevoir le trophée des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Le prix est remis par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siangou Fofana, au capitaine de l'équipe en bleu de deuxième année. Merci, Monsieur le ministre. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gendarme dans l'exécution de son service peut être parfois confronté à des adversités de toute nature, singulièrement face à des citoyens momentanément égarés. C'est pourquoi un module consacré aux arts martiaux fait partie de l'emploi du temps et est exécuté par les stagiaires à l'école, à savoir le taekwondo. Sous la conduite du maréchal des logis chef, Djerasouba Abdoul, nous allons assister à quelques exercices et démonstrations.
nous assistons à des mouvements de base du taekwondo, exécutés par l'ensemble des élèves sous-officiers de première et deuxième année. Ça, c'est un pumsé supérieur, appelé koryo, c'est en coréen. Il est exécuté par l'élève sous-officier de deuxième année, Koulibaly Alassane, et l'élève sous-officier de première année, Diabaté Amara. À présent, une démonstration de combat exécutée par les élèves sous-officiers de deuxième année, Koulibaly Alassane et Seka Joël. Exercice d'attaque et défense, exécuté par les élèves sous-officiers de deuxième année, Seka Joël, Koulibaly Alassane et leur cadet de la première année, Diakité Amara. Nous allons assister maintenant à une démonstration de casse appelée Kyokpa. C'est aussi en coréen. Effectué par les élèves sous-officiers de deuxième année, Seka Axel, Soro Sonanga, Traoré Vanier, Koulibaly Alassane et Konebra Zakaria. Nous allons assister maintenant aux démonstrations du maréchal des logis chef Djerasouba Abdoul. Il est ceinture noire 5e dan. Il est expert en taekwondo. Il est plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire. Il est entraîneur de l'équipe nationale militaire de la société Omnisport des armées. Il est arbitre national. Il est instructeur national. Ce spécialiste de casse, de close combat et du self-défense au combat rapproché est en démonstration. Il est aussi titulaire du diplôme coréen Kuk Ki-won. C'est un diplôme qui est reconnu dans le monde et délivré par l'Académie coréenne de Taekwondo. Merci à l'équipe du maréchal des logis chef Djerasouba Abdoul sous vos ovations. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous voici au terme de la cérémonie qui nous a réunis ce matin. Nous vous remercions encore de nous avoir honorés de votre présence. Mais avant de nous séparer, le colonel-major Fadiga Alassane, commandant l'école de gendarmerie d'Abidjan,